quelqu'un qui fait des photos, de l'audio, de la vidéo, qu'il diffuse sur les réseaux sociaux, sur des thématiques qu'il passionne a priori et qui partage ça avec une communauté qu'il ou elle bâtit à force de publications. C'est quelqu'un qui, à travers un appareil photo ou un portable ou même un stylo, raconte une histoire. À partir de ses origines, à partir de ses voyages, à partir de ses connaissances, à partir de ce qu'il observe en fait autour de lui. Une personne qui est capable de faire rêver. C'est juste quelqu'un qui décide de créer quelque chose et de le partager surtout. Parce que s'il le garde chez lui, il sera peut-être créateur de contenu, mais si personne ne le voit, bon, on ne sait pas en fait. Donc c'est toute personne qui écrit, qui fait des photos, qui fait de la vidéo, qui compose de la musique par exemple. C'est toutes ces personnes-là que moi j'appelle des créateurs de contenu. C'est une personne qui propose quelque chose de nouveau et qui arrive avec une idée à proposer un concept et ensuite à trouver la forme parfaitement diffusable de ce concept. Il me dit chic. Vous savez celui qui a le sifflet là avec le bonnet et plein de confettis? C'est exactement ça, c'était festif. Surprise totale. Je pense qu'il faut prendre l'émoji qui ressemble à mon sourire en ce moment parce que c'est exactement ce que ça décrit. La première chose que ça m'a faite, déjà c'est une surprise parce que en 2017, les gourmandises de Carrel, c'était pas les gourmandises de Carrel de 2020. Donc c'était déjà une appréciation, c'était déjà un coup de pouce, c'était déjà une reconnaissance du travail que je faisais avant. Donc j'ai été vraiment surprise et vraiment flattée d'être nominée dans cette catégorie. Et honnêtement, le fait de voir à côté de moi des personnes qui sont dans la cuisine depuis longtemps, qui avaient des communautés qui étaient plus importantes que la mienne, c'est ça, ça m'a vraiment flattée. Et j'ai été ravie et honnêtement, jusqu'aujourd'hui, je suis fière d'avoir remporté ce prix-là. Et de toute façon, même si j'ai gagné et que les autres n'ont pas gagné, je reconnais parfaitement leur travail et on méritait tous, je pense, de gagner ce prix. C'était une belle surprise, comme je disais, hein, moi je ne m'attendais pas du tout à être nominé. D'ailleurs, j'ai appris cette nomination quand j'étais sur place au Dicom Days, dans la matinée, il y avait pas mal de conférences auxquelles j'assistais. Et c'est ma sœur qui m'a envoyé un SMS me disant « Oui, t'es nominé dans la catégorie influenceur food », donc moi je ne savais même pas en fait. Donc ça a été vraiment une très belle surprise et ça a été un honneur de me voir retrouver là avec deux autres personnes très talentueuses aussi dans le domaine de la food. Voilà, donc j'étais vraiment surpris, très content d'être nominé dans cette catégorie. J'étais fier du travail que j'ai accompli. C'est vrai qu'en fait, voir son travail reconnu au grand jour, en tout cas faire partie des nominés, c'était une chose qui était intéressante et gratifiante. Me retrouver nominé auprès d'autres talents, c'était aussi intéressant de voir, de découvrir le travail d'autres personnes. Donc voilà, j'ai pu découvrir le talent de ces autres personnes. J'espère qu'elles ont postulé cette année et que en tout cas une d'entre elles aura la chance de gagner. Si c'est pas elle, ben ça sera d'autres personnes qui ont postulé. Mais voilà, j'étais tout simplement content de faire partie de ces nominés, de remporter le trophée. Être nominée, j'étais trop contente. C'était oui, je crois que c'est 2 ans après le lancement de Visiter l'Afrique. C'était avec beaucoup de fierté hein, qu'on était là, c'était avec beaucoup de fierté qu'on a reçu ce prix, c'était avec beaucoup de fierté. Je crois qu'un an après, j'ai eu l'occasion d'avoir une sorte de keynote speak. Et c'était un moment de joie. Alors là, déjà la première chose, quand on gagne un prix comme ça, ça donne de la crédibilité auprès des marques. Auprès même de notre communauté, ça montre que ce qu'on fait, c'est pas forcément ou c'est pas surtout un hobby, c'est vraiment une activité qu'on prend au sérieux. Et le fait d'avoir des reconnaissances comme celle-ci d'un jury de professionnels et d'un jury de personnes qui s'y connaissent dans le métier, c'est vraiment très bénéfique. Nous, ce qu'on a fait, c'est que ce prix-là, on l'a bien évidemment mis dans notre dossier de presse. Quand on communique aujourd'hui auprès des marques, on dit que bah, tiens, on a gagné tel ou tel prix et ce prix-là nous a
vraiment apporter de la valeur. C'est vraiment comme ça que je peux le définir. C'est une valeur ajoutée à notre travail. C'est une reconnaissance professionnelle de l'activité qu'on fait aujourd'hui. Ça m'a apporté pas mal de visibilité sur le continent africain parce que effectivement, moi, j'évolue dans un domaine qui est la pâtisserie, qui est pas très connu sur le continent africain. C'est vrai que j'avais une majorité d'audience très européenne, française, parisienne, hein, vu que c'est à Paris que je vis. Et c'est aussi voilà, le bassin de la pâtisserie mondiale. Donc ça m'a apporté vraiment une énorme visibilité à l'échelle du continent africain. Les gens se sont rendus compte que oui, il y avait un petit Ivoirien qui faisait 2-3 gâteaux dans sa cuisine qui n'était pas trop mal. Et ça m'a apporté pas mal de contacts aussi. Avec des personnes très intéressantes, ça m'a mis en relation avec beaucoup de personnes super intéressantes qui font aussi de beaux projets sur le continent africain. Et puis ça m'a permis aussi de découvrir enfin, d'autres personnes qui font aussi de la cuisine ou même de la pâtisserie, d'autres Africains qui font de la cuisine et de la pâtisserie aussi. Donc ça a été vraiment un beau tremplin de visibilité sur l'échelle du continent africain où mon activité était finalement très peu connue en fait. Donc c'était vraiment un bon point. Et en dehors des réseaux sociaux aussi, voilà, ça m'a permis de faire des interviews, de passer sur des journaux télé, de passer dans des émissions télé, d'avoir voilà, des sollicitations intéressantes en dehors des réseaux sociaux. Et puis ça a permis aussi de donner finalement plus de crédibilité à mon activité. Parce que j'ai eu des nouvelles opportunités qui sont concrètes et en dehors du digital. C'est vraiment quelque chose de physique, des magazines par exemple, où là on n'est pas juste dans le côté internet où finalement bon, on touche pas vraiment en fait ce qui se passe. Alors que là c'était vraiment physique, je rencontrais des vraies personnes, des vrais journalistes, je voyais des vraies caméras par exemple qui venaient tourner chez moi et tout ça. Donc ça a été, donc ça a apporté aussi voilà, de la crédibilité à ce que je faisais et c'était pas juste quelque chose que je faisais derrière un écran sur les réseaux sociaux. Et là, c'était, on pouvait le voir en vrai et même dans des vitrines par exemple où j'ai pu faire des collabs des pâtisseries. Donc les gens ont pu déguster par exemple en vrai mes pâtisseries et tout et ça c'était chouette. Qu'est-ce que ce trophée m'a apporté? Beaucoup de choses parce que déjà il est sur mon bureau. Il est sur mon bureau, donc c'est vrai que c'est un sujet de conversation déjà quand je suis en rendez-vous, quand je rencontre des personnes, ça permet de parler des Adicom Awards. Dans ma communication, en fait, j'ai pu dire que j'ai remporté ce trophée, ça m'a apporté de la visibilité, parce que y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas, qui ne connaissaient peut-être pas. Mon travail et mon travail il a été révélé à ces personnes-là. J'ai des personnes qui ont commencé à me suivre, j'ai des personnes qui m'ont contacté pour proposer des opportunités. Ça m'a apporté une crédibilité aussi parce que dire que, en tout cas, savoir qu'on était influenceur voyage, en tout cas qu'on était influenceur 2019. Adicom, c'est en fait ça rentre dans un CV en fait d'un influenceur. En fait, j'ai eu un passage chez France 24 où on parlait de moi en tant qu'influenceur meilleur influenceur africain en tout cas de l'année. Ça m'a ouvert des portes. En fait, grâce à ça, en fait aussi, ça permet une légitimité puisque j'ai aussi pu créer cette formation pour apprendre aux gens et à créer du contenu, à se créer une communauté sur les réseaux sociaux. Et puis, en fait, le fait de travailler avec les marques, en fait, ça valide, en fait, parce que déjà, elles étaient contentes de travailler avec moi. Maintenant, elles sont contentes de dire qu'elles travaillent avec l'influenceur Voyage Adicom Awards. Donc c'est une crédibilité. Comme on dit chez nous, en Côte d'Ivoire, parce que je suis camerounaise, mais j'aime la Côte d'Ivoire. Mon cher, quand tu gagnes prix à Adicom Days, là, il n'y a pas ton 2. Quand tu rentres en fête, là, quand tu rentres quelque part, il n'y a pas ton 2. Tu n'as même pas besoin d'appeler visibilité, là. C'est visibilité qui vient à toi. Tu as compris? Voilà. Enjoy the moment et soyez préparés. Allez-y, non seulement pour la fête, mais surtout pour agrandir votre réseau, faire des rencontres,
avec d'autres créateurs de contenu, primés, pas primés, avec le public présent, rendez-vous disponible et surtout avec les marques avec lesquelles vous pourriez commencer à mettre en place des débuts de partenariat, arriver avec des idées en fait de contenu à créer déjà pour telle ou telle marque, arriver avec des idées de contenu qu'on pourrait créer ensemble. C'est l'union qui fait la force et ce type d'événement a pour vocation de booster et de stimuler ce qu'on fait déjà bien tout seul dans son coin. Les amis, il faut profiter. Je pense que je peux dire que ça, honnêtement, si vous avez gagné, c'est parce que votre travail est méritant. Vous accomplissez quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire et que aujourd'hui, on reconnaît votre travail. Donc, il faut vraiment profiter. Et effectivement, il faut être modeste dans ce qu'on fait. Mais si aujourd'hui, c'est toi qui as gagné, c'est parce que tu es le meilleur dans ta catégorie. Voilà. Donc, bravo. Et honnêtement, faut profiter de ça, même pas que pendant l'année. Parce qu'effectivement, l'année prochaine, ça va être un autre nominé. Mais ce prix-là, aujourd'hui, c'est toi qui l'as gagné. Et faut le prendre pour acquis parce que effectivement on a reconnu ton talent, on a reconnu ton travail. Donc félicitations. Je leur dirais juste lâchez-vous, exprimez-vous, allez au bout de vos idées, allez au bout de vos envies, faites-nous rêver, faites-nous voyager, faites-nous découvrir des choses qu'on a jamais vues, des choses auxquelles on ne pense pas, qu'on voit tous les jours, mais auxquelles on ne pense pas forcément. Donc voilà, on attend de vous toute votre créativité et votre imagination. J'ai envie de vous dire non, j'ai pas envie de partager ça, j'ai pas envie de vous le donner. C'est moi. Plus sérieusement, je vous souhaite de vivre une année... une année riche, une année hors du commun, une belle année grâce aux Adicom Awards. Moi, ça m'a apporté énormément et j'espère que ça vous apportera énormément aussi et que ça vous fera passer un cap. En fait, je pense que c'est une expérience à avoir, c'est un trophée à avoir et ça vous ouvrira plein d'autres portes en termes de retour, en termes de propulsion, c'est un bel ascenseur. Et je vous souhaite vraiment en tout cas de profiter, de vous amuser et de pouvoir faire plein de projets parce qu'une année, ça passe très vite. Et puis voilà. Profitez de cette opportunité. Profitez tous les jours jusqu'à ce que l'année passe et puis que ce soit une autre personne qui soit... lauréat à votre place, profitez tous les jours pour vous vendre auprès des marques, auprès des institutions ou n'importe qui. Mais faites en sorte de valoriser ce Adicom Award. Alors, je crois que nous, Visiter l'Afrique, on avait tellement été abasourdis qu'on n'avait pas communiqué dessus. On était juste genre, waouh, on a gagné un Adicom Award. Avec le recul, ou en tout cas pour les futurs lauréats, je dirais, récupérez votre prix. Préparez un speech, même si vous ne savez pas si vous avez gagné. Faites un speech qui tue sa race. Et ensuite, listez au moins 10 médias de votre pays en question, ou même plus ou moins panafricains. Et envoyez-leur un communiqué de presse sur votre projet. Ça donne toujours de la visibilité. Et si vous avez vocation à lever des fonds, ça peut être un beau, 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 beau tremplin. C'est grâce à vous aujourd'hui que nous on crée du contenu, c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on est reconnu et le fait d'avoir un prix comme celui-ci pour le créateur de contenu, c'est une reconnaissance auprès des marques. Donc vous qui regardez le contenu créé par les personnes, vraiment je vous invite à voter pour que les personnes que vous suiviez puissent avoir un prix et grâce à ce prix-là pourra créer encore plus de contenu pour que vous soyez encore plus content de suivre ces personnes. Donc honnêtement, votez parce que c'est vraiment un gage d'encouragement. Soyez pas mal, votez quoi, ça aide, ça peut booster quelqu'un, surtout si le créateur de contenu n'était pas pas forcément si connu, mais cet événement-là, donc les Adicom Awards et les Adicom Days sont vraiment un propulseur, un catalyseur. Et en les encourageant, en leur donnant ce prix, nous leur faisons gagner aussi en crédibilité auprès d'un public de partenaires qui sont là. C'est des marques avec lesquelles ils ou elles pourraient collaborer par la suite. Et on peut tous participer à changer le cours d'une vie juste avec un petit vote, donc votez. Donc j'invite vraiment tous les internautes à voter massivement parce que c'est un bel événement. C'est un événement qui célèbre la créativité et le dynamisme du continent africain.
et encore plus aujourd'hui dans le monde du digital, où les Africains sont très actifs. Et n'hésitez pas, vraiment à fond. Je sais que les Africains sont très 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 connectés. Il y en a qui ont même 2-3 téléphones. Donc vraiment allez-y à fond, je vous invite vraiment à participer parce que ça fait plaisir pour ceux qui sont nominés d'avoir des gens qui les soutiennent, d'avoir des votants. Donc vraiment à fond, les amis, la famille, les connaissances, vraiment allez-y à fond, quoi. Je vous invite à voter. Déjà voter c'est se prononcer, ne pas voter c'est aussi se prononcer mais dans un autre sens, ça peut affecter, influer des élections. Donc vraiment je vous invite à voter et à vous exprimer. Soutenez comme vous voulez, soutenez votre pays, soutenez votre pays en votant pour des personnes de votre pays, ou soutenez en tout cas le talent en votant pour le talent qui va vous parler. Peu importe, mais allez-y, votez, allez encourager, ça pourra aider et impacter. Je pense que les Adicom Awards, c'est le moment de prouver aux personnes que vous suivez que vous aimez vraiment leur contenu. C'est le moment de les mettre en avant. Donc, n'hésitez pas à voter pour eux de sorte à ce qu'ils deviennent beaucoup plus importants dans leur communauté et beaucoup plus visibles auprès des marques. C'est le moment de leur rendre ce qu'ils vous donnent à travers leur contenu. Des opportunités. Plein de surprises parce que déjà, c'est une nouvelle ville. Les Adicom vont se passer à Dakar. Ce sera beaucoup plus intéressant que les Adicom Awards 2019. Une occasion de se retrouver et de parler ensemble d'un sujet qui nous passionne, la création de contenu, l'Afrique, le digital, avec des acteurs, des partenaires de ceux ou ces métiers. Ça sera le feu. Ça sera le feu à Dakar. La magie. Donc des nouveaux talents, des nouvelles perspectives. En tout cas, je pense vraiment que cette année, comme chaque année, ils vont innover et... Là, on va tout casser. Ça sera le feu de Dieu. Ça sera amazing, je pense que ça sera hyper, hyper impactant, hyper intéressant et j'ai hâte d'y être. Nous, on sera là et j'espère que vous serez là aussi pour voir ça.